Et salut les amis, c'est Overgame, j'espère que ça va pour ma part, ça va super comme d'habitude aujourd'hui. Épisode court, mais épisode qui va être très important, c'est le contrôle à montre individuel de Doumbria Mirador des Zéro avec ses passages à 30%, les amis. Un chrono en net, en côte, hein. C'est vraiment un chrono en côte, même si le début est vraiment tout plat, c'est un chrono en côte. Un chrono de 30 km en vrai, 36 irréel. 30 km en vrai, 36 dans le jeu, dans le parcours avec Eriengal et Mega Driver. Ensuite, la fin va être. Je crois que j'ai pris la même fin que Mega Driver, hein, on va dire, hein, sur 14, 15, 16, 17 et 18. J'ai repris le même parcours à Mega Driver. Aujourd'hui, c'est un chrono qui a de l'importance pour le classement général, car c'est un parcours pour les grimpeurs. Compte tenu de notre avance au classement général, il va falloir se donner à fond si on veut conserver le maillot. Allez, on doit faire le meilleur temps. Ouais, en plus meilleur temps, je pense qu'on va être largement favori de ce contre-la-montre avec Primoz Roglic. On devrait logiquement s'imposer de Doumbria Mirador des Zéro. Roglic devrait normalement s'imposer. Attention quand même à Froome, hein, des fois sur les chronos. On sait qu'il a déjà prouvé qu'il a gagné des chronos. On a bien sûr Thibaut Pinot, bien sûr, puisque bon, c'est un chrono Road Zone. Et à la planche des belles filles, enfin... Pas Zaro, hein, il habite pas Zaro, mais sur le jeu c'est la planche des belles filles et on connaît très bien puisque Thibaut Pinot est de la région de la planche des belles filles. On passe normalement aussi dans sa localité où il habitait, hein, Thibaut Pinot. Donc attention quand même aussi à Thibaut Pinot parce qu'il n'y a que 3-10, hein, mais bon, on va pas perdre 3-10, hein, on n'est pas non plus Pogacar, hein, enfin Thibaut Pinot n'est plus Pogacar. Sepkus qui est toujours là en 56 minutes 55-22 pour Tom Dumoulin. Attention aussi à lui, hein. Attention à Tom Dumoulin. Si je vois que Dumoulin est peut-être meilleur temps, peut-être que je me calerai sa course sur lui. Il va tout faire pour et Cavagna meilleur temps. Son maillot. Allez, on et qui est 4ème sur la ligne. Et Roglic qui part. Le leader du classement général, le maillot rouge. C'est difficile, ça sert à rien de partir vite. Dans la gestion, il ne faut pas coincer dans la montée finale. Il y a un départ prudent là, pris par Primoz Roglic, là, qui relance là. Cette sortie de localité. C'est plat et monotone. Mets-toi en position de chrono et vas-y tranquille. Pas besoin de monter dans les tours tout de suite. Allez, Primoz. Il y a quoi gérer, hein. Franchement, il est très très bon, Primoz. Et Thibaut Pinot juste devant lui. On pourra voir aussi les temps de Tom Dumoulin, hein, d'ailleurs. Hein. Je regarde un peu les points intermédiaires de Tom Dumoulin. Edouard Mirail, hein, qui est là. Vraiment regarder sous la pédale pour la fin. Toujours en route. Marcinski qui fait 5ème sur la ligne. Allez, tu feras attention dans le prochain village. Il y a plusieurs virages à angle droit. Dis pas que t'es sur un vélo de chrono. Ça tire pas pareil. Allez, on attaque, allez, on se bouge. Allez, alors Roglic là, qui est relancé là. Entrée de cette localité. Allez hop, petit virage. Celui-ci, relance. Il a piqué Roglic. Hop. Allez, Roglic, il gère bien quand même cette partie de course. Oh, regardez, on est même en train de revenir sur Thibaut Pinot. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, et Thibaut Pinot, oh là là, peut-être qu'il est pas dans un grand jour. Il est peut-être pas dans un grand jour, Thibaut Pinot là. Là, c'est pas possible. Voilà, ou alors sommes-nous surpuissants? Sommes-nous trop forts? Regardez-moi ça. Roglic va revenir sur Pinot, alors que Froome, qui est très bien parti, puisqu'il a 2 secondes d'avance sur Cavagna. Oh là là, ça peut être humiliation, quoi. Gesink à l'arrivée, deuxième temps pour Robert Gesink.
Donc, j'ai pas une trace de Tom Dumoulin. Génies qui est là, deuxième temps aussi. Dans 1 km, tu seras au premier pointage intermédiaire. Après, ce sera moins plat. On va commencer à négocier différemment. Regardez Roglic qui veut doubler Thibaut Pinot. À l'aspiration là. On va lui faire l'extérieur. T'as réalisé le meilleur temps intermédiaire. Allez, continue, tu joues la gagne. Mais fais attention à garder de l'énergie pour la fin. On va en garder là. Ouh là là. Attention, regarde devant, virage à droite. Maintenant, ça va commencer à être un peu plus difficile avec des faux plats montants. Continue à gérer piano. Allez, là, faut gérer là maintenant. Allez, devant, il y a en plus Guillaume Martin. Il y a Guillaume Martin à fond devant nous. Allez, garde bien la position. Et où est Tom Dumoulin? Parce que je ne vois pas le temps de Tom Dumoulin. Est-ce qu'il viendra monter justement Tom Dumoulin? Je me pose quand même la question. Allez, 20 km. Tu arrives sur une portion un peu sinueuse. On va relancer un peu pour reprendre de la vitesse. Allez, on relance ici. Allez, relance un peu là. Il fait la montée à fond là. On fait le chrono à fond. On fait limite le chrono à fond. Alors est-ce que c'est un risque de notre part? Là, on est en train en plus de revenir sur Guillaume Martin. Hein. Et Sepkus, deuxième temps! À une seconde! Le TJ Vanguard Run! Peut-être qu'on laissera partir Tom Dumoulin. Peut-être qu'on laissera gagner Tom Dumoulin, je sais pas. Parce que ce serait bien quand même que Tom Dumoulin en gagne une. Ce serait bien. Qui sera à surveiller, hein, il sera à surveiller. Et il est loin, Thibaut Pinot. Oulala. Ça commence à monter, courage. T'as fait plus de la moitié. Il est. Là, je pense que Thibaut Pinot va perdre énormément de temps. Et Dumoulin, meilleur temps, 30 secondes. Il a 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance, alors que De La Cruz est passé. Oh là là, Roglic. Oh le numéro là qui est en train de nous faire. Numéro de Primoz Roglic sur cette étape, hein. Un vrai numéro là, il est en train de nous faire là. Mikel Nieve, 5e. Tom Dumoulin, meilleur temps. Hein. Je crois qu'il entame la. Allez, essaye de passer ce faux plat en danseuse. Après, ça va descendre, tu pourras récupérer. Allez, on va accélérer tout doucement avec Roglic. On a la voiture suiveuse hein, devant nous. C'est impressionnant. Attention au virage. Après, c'est la descente. Prends pas de risque inutile. Ça sert à rien de tomber. Allez, profite pour souffler un peu. Prends la bonne trajectoire tout en souplesse. Allez, c'est parti là. Et maintenant, on peut souffler. Cette descente là. Avec prudence. Voilà Roglic là, qui est beaucoup mieux que sur la planche des belles filles il y a de cela un mois. Hein. Ça c'est sûr et certain. Froome deuxième temps. Qui n'est que deuxième temps. Tu seras au pied de la planche des belles filles. Dans la montée qu'il faudra tout donner. Allez, plancher les mines. Alors que Guillaume Martin est revenu sur nous dans la descente. Hein, plus d'une. Une superbe descente, il a fait la descente à fond, Guillaume Martin. Bientôt le deuxième pointage intermédiaire, après ça va commencer à monter, prépare-toi. Et Guillaume Martin, ouais, mais bon. Je pense pas que Guillaume Martin il va faire long feu. Je pense que Roglic gère. Allez, ça va être violent, sois prêt à faire mal.
Mais premier, mais ouais, on perd, on est quelques secondes. Dernier checkpoint. Vas-y, garde le rythme, tu joues la gagne. Allez, allez. Thibaut Pinot, il est loin. Thibaut Pinot est très loin. Hein. Mais Guillaume Martin est pas dans les meilleurs temps. Hein. Ça, le pire. Hein. Allez, allez, c'est parti. Parti pour la planche des Belges. Maintenant, il va falloir se mettre en danseuse et faire un effort intense. Allez, allez. Allez, là. Allez, 5 km. Allez, allez. Allez, une pointe à 10%. Alors que Thibaut Pinot est là-bas. Hein. Attends, il faut tenir. Là, faut vraiment tenir. Henrik Mas qui fait un très très bon contre-la-montre. Et il est derrière. Il est derrière Dumoulin. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tom Dumoulin qui va. T'arrives sur des pourcentages moins élevés. On va essayer de souffler un peu en position de chrono. Allez, on gère, ouais, mais Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, faut pas qu'il fasse un. Allez, regardez, il souffle en position de chrono, hein. Primozrovic, hallucinant. Rarement vu ça, j'ai déjà vu des Yann Urich par le passé. Ouais, Roglic est en train de revenir sur Pinot là. Enfin, Pinot qui est en train de revenir plutôt sur Roglic. Ils vont se faire mal, ils vont se faire mal là. Ces coureurs là qui vont se faire mal. Et qui va craquer le premier? Carapaz, meilleur temps! Carapaz qui fait la meilleure ascension! Ouais, peut-être que Carapaz il va nous faire un bon opération là. Allez, 2 km. Allez, on s'accroche. Allez, Pinot là. Pinot là, on finit de serrer. Ouais, normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va avoir le temps de Guillaume Martin, mais Roglic devrait logiquement s'imposer. Allez là, Roglic va s'imposer. Roglic va s'imposer. Victoire de Roglic. Dans ce contre-la-montre, on a même repris Thibaut Pinot. On a repris 2 minutes à Thibaut Pinot, c'est pour vous dire. Impressionnant contre-la-montre. Fait par nous. On a toujours le souci là du noir et blanc. Allez. On va aller au résultat. Voir tout ça avec grande impatience. Il a su déjouer tous les pièges. Ouais, Roglic qui s'impose avec le magnifique podium noir et blanc. Oui, les amis, on va bientôt faire que la science, sans déconner. Raymond Puyler attaque dans le col du Ferrosourde. Il reprend 10 secondes à Antilles et s'impose à Bagnères de Luchon 30 secondes devant le Normand. Non mais là, voyez pas que ça fait joli, ça fait super joli en vrai, mais on pourrait faire la légende de Jean-Paul Ogier. Il prend tout Roglic, c'est hallucinant, il est très très fort. Il est beaucoup trop fort, il gagne ce contre-la-montre, c'est sa 6ème victoire si je ne m'abuse. 6ème victoire pour Primoz Roglic. Que dire, hein, là on va peut-être en laisser à certains, hein, je pense, hein, là, des victoires. On en a laissé une, hein, à Yannir. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, on prend, vous avez on met parfaitement une assumé. À Thibaut Bravo Pinot. Pour cette victoire, on conserve le maillot rouge, c'est une journée parfaite.
On reprend 1 minute 12 à Thibaut Pinot, les amis. C'est énorme. Hein. Carapaz à 1:18. Van Garden, Sepkus qui est là. Sepkus. Cinquième temps pour Sepkus. Excellent. Valverde, Enric Mas qui est là. Izaguirre, du moins Daniel Felipe Martinez qui est là. En dixième position. Et ouais, et c'est bien ce que je craignais. Vlasov est loin. De 13. De 13, il perd du temps. Il perd du temps, Vlasov. Il perd du temps. Il perd, allez, 30 secondes. Il perd 30 secondes sur son maillot blanc. Il n'y avait pas le meilleur grimpeur. Ah, donc, dommage. Normalement, c'est vraiment la, normalement, la vraie montée qu'on nous mettrait. Hein. Alors, du coup, Roglic qui a 4:22 de Thibaut Pinot. 10:11 du coup sur Valverde. Il y a déjà 10 minutes d'avance. Hein. Il y a déjà 10 minutes d'avance, 10-21, 10-33 sur fond qui a pas réussi à reprendre du temps à Guillaume Martin. Alors ça, franchement, c'est une grosse surprise. Richard Carapaz qui est là, 13-19. Vlasov, 13-22. Ouais, le PQ, il diminue. Il n'y a plus que 2 minutes. Entre Vlasov et Daniel Felipe Martinez. Toujours Dan Martin, top 10. Ça va être serré, je pense. Pour le podium, Roglic 108 points, Pinot 78, 67 sur Yann Hirt, 224 points pour Roglic, alors là qui domine vraiment tout, hein. Il, vraiment, vraiment il domine tout, Vlasov qui a plus que 2-9, voilà, on a le quart exact 2-9 sur Dan Felipe Martins, et Mas qui est à 8-30, Team Ineos toujours meilleur équipe avec 1-18 désormais sur Jumbo Visma, et merde sa combativité, alors juste pour info, Dumoulin, je sais pas combien il finit, mais il reprend aucune place au général. Alors ça, franchement, ça c'est surprenant. C'est surprenant. Ouais, c'est assez surprenant quand même. Roglic du coup qui s'impose dans ce chrono de Dumbria Mirador des Aros. Voilà les amis du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On aura trois belles étapes. Hein. Après, il y aura Ouran sur une étape à Porto et une étape à je ne sais où. En tout cas, voilà les amis du coup. C'est, je crois que c'était une autre étape au Portugal, mais un peu raccourci, mais en tout cas voilà les amis du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve les amis pour la 14e étape, l'arrivée à Ourens. Sur ce, portez-vous bien, je vous laisse, bon repos, oui, parce que il y a un petit peu de repos, voilà, il y a un petit peu de repos avant de reprendre du coup pour moi après, hein, vu que j'ai uploadé à peu près pour une soirée jusqu'à étape 13. En tout cas, je suis bien content. Et au moins, on a rattrapé notre retard. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Salut !